là, quelqu'un avec qui j'ai passé de beaux moments. Matinal. Hey, qui dit, t'enlèves tôt, t'es en forme le matin. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui doutaient qu'on l'aurait à l'émission parce qu'il était là, hey, 9h30, t'es sûr que Mike Ward est debout? Je vous le dis, il est debout puis il est au bout du fil. Comment ça va, Mike? Ça va bien. Hey, Rich, je suis tellement content de te parler. Mais c'est un plaisir réciproque. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas vu. Deux petites choses. Un, es-tu là, confirme-nous ça, es-tu un gars matinal? Et deux, peux-tu aussi confirmer, il y a des gens qui doutaient de notre amitié? Bien, il ne faut pas douter de notre amitié. Je t'aime tellement que je suis willing de mettre mon cadran pour me lever. Fait que je t'aime beaucoup, mais tu me fais beaucoup chier en ce moment. C'est parfait de même. Allez, on commence. Je veux juste savoir, là, straight pipe en commençant, comment tu vas de ces temps-ci? Ah, je vais super bien, vu que la nouvelle de moi, de mon ex, a sorti. Mais ça faisait, c'est ça que j'ai eu des médias, ça fait un an qu'on n'est plus ensemble. Puis j'avais attendu un an avant de le dire, vu que mon ex l'avait pas dit encore à sa mère. Puis je voulais pas que ça sorte avant que sa mère soit au courant. Puis aussi, je me disais, quand ça faisait, mettons, 9 mois, je m'étais dit, je vais attendre après un an. Comme ça, après un an, personne va me demander, t'es-tu correct, veux-tu qu'on jase? Puis les journaux à potin, ils vont voir de l'air épais sortir. Mike Ward n'est plus en couple depuis un an. Puis finalement, quand je l'ai dit, le journal, là, je le souhaite, Mike Ward n'est plus en couple. Fait que tout le monde, j'ai reçu des messages. Puis c'est weird, après un an, à recevoir des appels de, hey, si tu veux venir jaser? J'étais comme, mais non, tu sais, ça va super bien. Y a-t-il des madame cochonne qui en ont profité, Mike? Il n'y a pas de madame cochonne qui en a profité. Non? Okay. Non. Okay. Toi, es-tu un menteur dans la vie ou t'es honnête? Non, c'est pour vrai. Tu sais, j'étais dans une zone de... J'avais pas le goût... moi et mon ex, on s'était laissé en 2002. Tu sais, ça faisait 1000 ans qu'on était ensemble. Ouais. Puis en 2002, là, j'avais juste le goût... J'ai baisé le Québec au complet, là, quasiment. Mais là, je m'étais dit, regarde, j'ai le goût d'être tout seul. Fait que j'ai été tout seul l'année au complet. Tu sais, j'ai frenché quelqu'un pour la première fois il y a une couple de semaines. Ah, c'est malade, Mike! Hey, comme on règle tous ces dossiers-là avant de jaser de la tournée de sous-écoute, là, on peut-tu régler aussi le cas de l'UDA, là, puis ton post? Est-ce que ça, y a-tu une suite à ce message-là? Ben, il y a de la suite, c'est que UDA ont réalisé que je suis sûr intimidé. Ils ne savaient pas déjà? Non, mais, tu sais, parce que l'UDA sont habitués de travailler. Il était bien drôle, tu sais, au début. Tu sais, ils nous faisaient des menaces. Puis une des dernières menaces qu'ils avaient faites, c'est si vous embarquez pas dans l'UDA, vous allez perdre vos subventions. Puis là, on était comme, ben, on n'en a pas de subventions. ils jouent bien gros avec. Tu sais, ils ont essayé de mettre les normes du travail sur mon dos. Puis, tu sais, moi, tu sais, les invités, c'est pas des employés, c'est des travailleurs autonomes. Puis, j'y paye. Tu sais, comme là, UDA voulait que j'y paye 86$, j'y paye 200$. Puis là, ils disent que c'est parce que le filet social, eux autres, ils payent des REER. Fait que là, ce que j'ai commencé à faire, je donne un bonus de 25$ au monde, mais il faut qu'ils me garantissent qu'ils vont acheter un REER. Ah, que c'est bon! Mais toi, t'as les moyens avec sous-écoute de payer tes invités, mais est-ce que tu trouves ça important tu trouverais ça important que les podcasts au Québec aient cette habitude-là, en général, de payer, puisque c'est pas n'importe qui a les moyens de le faire? Non. Non? Ben, moi, je pense, si t'as les moyens de le faire, puis t'as le goût de le faire, tu devrais le faire, mais tu sais, comme là, en ce moment, tu sais, je suis pas payé, puis d'ailleurs, je vais appeler UDA pour... Boulevard, ils m'ont pas payé. Reste la planche, l'écœurant. Sais-tu qu'est-ce que je vais leur dire? L'UDA peut me manger le cul. Non, mais tu sais, on sert des médias pour faire de la promo. Tu sais, quand t'es un artiste, t'es un travailleur autonome. Tu sais, moi, j'ai fait le podcast à Joe Rogan. Il y a 10 millions de personnes qui écoutaient. J'ai pas été payé une scène. C'est même moi qui a fallu qu'il paye mon billet d'avion. J'ai loué mon hôtel moi-même. Ça fait partie de la business. Mais, tu sais, moi, je suis chanceux que je peux me permettre de payer. Rogan aussi pourrait se permettre de payer, là, d'ailleurs. Puis, ça aurait été cool qu'il paye mon hôtel, mais, tu sais, moi, je pense que, c'est ça. Si mettons, il m'oblige, moi, ça va juste me faire chier puis ça va faire de la paperasse. Mais après, il y a plein de petits podcasts qui vont juste mourir.
puis on va se ramasser dans 5 ans avec juste des podcasts de, mettons, Cube Radio, puis Audio, puis tu sais, il n'y aura plus d'indépendance sur le web. Pourquoi on s'attaque toujours à toi, McWard? Parce que je pense, tu sais, pour vrai, ben, je sais pas si c'est tout le temps moi, mais pour UDA, parce que je suis un gros joueur petit. Tu sais, ils s'attaqueront pas à des Bell ou à des Cogeco. Ils vont s'attaquer à moi parce qu'ils font, ouais, ce gars-là, ça roule, mais tu sais, je suis un gars tout seul. Ouais. Fait que je pense que j'ai de l'air facile à intimider. Tu sais, vu qu'ils font, c'est juste lui et son gérant. On va leur faire peur. On va mettre les Revenus Québec après eux autres. Ils vont plier. Puis, on malheureusement, on plie pas. Ouais. D'ailleurs, on va saluer Michel, ton gérant aussi, que j'ai pas vu depuis d'un petit bout. Hey Mike, il faut parler de sous-écoute, il faut parler du podcast, le succès du podcast. Félicitations de un pour ce que vous faites avec ça, c'est vraiment hot. Est-ce que t'es un pionnier dans le monde du podcast au Québec? Est-ce que t'as pu imaginer au début, est-ce que vous pensiez ça avec ce projet-là, que ça devienne éventuellement aussi gros que ça l'est? Eh hey, non. Tu sais, quand j'avais parti ça, vu que, tu sais, d'ailleurs, sous-écoute, c'est un projet que mon premier show j'ai eu à Musique Plus, qui s'appelait le Mike Ward Show, ouais. J'avais pitché le concept de sous-écoute à Musique Plus. Puis là, Paula, à l'époque, elle trouvait que elle était comme, ouais, ça va être too much. C'est du monde qui saoule puis qui jase. pourquoi tu nous fais pas un show de sketch? Puis j'avais mis des capsules qui s'appelaient Souper de gars, souper de filles. Ouais. C'est exactement du sous-écoute que je mettais dans le show. Puis après, j'avais même pitché l'idée à Radio Énergie à Montréal, puis même à faire eux autres qui n'étaient pas à l'aise. Fait que moi, je l'avais parti juste parce que Vimeo venait d'arriver. Puis là, je me disais, OK, je vais être capable de mettre ça online, puis ça va me faire comme un petit show télé, petit show radio, un peu boboche. Puis peut-être un moment donné, quelqu'un, un diffuseur va voir ça, puis il va m'engager. Et pourtant, Mike, si on se souvient bien, en plus, Musique Plus, c'était pas mal, on saoule puis on jase, là, en général. Oui. Non, ouais, mais ça, on dirait, je pense si j'avais pitché ça à Musique Plus après le Mike Ward Show, après le gros show, elle aurait dit, tu sais, Paula aurait dit oui, mais là, vu que c'était mon premier meeting, tu sais, elle me connaissait pas. Fait que là, tu sais, t'as un gars, premier meeting, que tu connais à moitié, qui a une réputation d'être un peu un bum. Puis comme, hey, j'ai un concept pour toi, je vais me saouler. Je vais me saouler live à TV. Ça fait un peu peur. Même si ça a marché avec Salvaille puis les recettes pompettes, là. Je sais pas pourquoi Ouais, mais regarde comment ça finit. Je vais pas finir d'avant. Ce qui est impressionnant de sous-écoute, premièrement, le nombre d'épisodes là, auxquels on est rendu, soit 419, si on exclut là, ceux qui sont déjà sortis sur le Patreon, là, mais sur exemple sur YouTube, les plateformes, on est rendu à 419, mais c'est le fait que ceux qui aiment sous-écoute vont écouter souvent tous les épisodes. Tu sais, moi, l'épisode qui est sorti là, la semaine passée avec Gabrielle Caron et Josiane Aubuchon, je ne connais pas ces deux femmes. Puis ça arrive souvent quand même que je connais même pas les humoristes qui sont dans le podcast, mais que je vais quand même apprécier le podcast beaucoup, puis apprendre à connaître des humoristes comme ça. Au début, j'imagine que pour toi, évidemment, tu voulais, tu sais, dans les premiers épisodes, avoir des gros noms. Mais maintenant, ça arrive souvent que tu as de la relève. C'est-tu un peu une mission pour toi? Tu trouves important d'impliquer la relève puis de participer à faire connaître ces jeunes humoristes-là? Bien, moi, j'aime vraiment parler aux humoristes. Puis j'ai l'impression que j'aime mieux parler aux humoristes de la relève parce que sont passionnés. Puis, tu sais, je trouve. Moi, j'aime ça parler à du monde qui aime faire leur métier. Tu sais, mettons, si je parle à n'importe quel métier, là, si je parle à un comptable qui est blasé, je vais faire, il est bien plate, mais un comptable qui trippe sur sa job, n'importe qui trippe sur sa job, je les trouve intéressants, puis j'aime ça. J'aime tellement l'humour. Puis, je trouve ça le fun aussi que, tu sais, les gars-là ont plus l'impact qu'ils ont. Fait que, tu sais, avec sous-écoute, tu sais, c'est pas juste moi qui les a fait connaître, là, mais souvent, la première fois qu'on a vu, mettons, Arnaud Soli ou Christine ouais. Morancy, c'est à des sous-écoutes. Puis après, j'aime ça de voir que, OK, j'aide les vrais postes de télé puis les vrais postes de radio à trouver du monde. Je pense que tu es bien placé, Mike, pour répondre à la question suivante. C'est quoi la santé là, de la scène humoristique au Québec en 2023? C'est vraiment... Le calibre n'a jamais été aussi fort. Les salles, ça, tu sais, aussitôt qu'on a pu, après la COVID, là, c'est...
le monde, on dirait, sont surexcités d'aller voir des shows live. Moi, je suis vraiment content. T'sais. Puis souvent, on parle que c'est plus tough, le monde sont plus facilement choquables, ce qui est 100% vrai. Mais dans les salles, tu le vis pas, ça. Tu le sens pas. T'sais, ou en tout cas, moi, je le sens pas. Le monde qui sont facilement choquables, ils m'ont abandonné moi, je le sens pas. Mais c'est tellement important ce que tu dis là, Mike, parce que je trouve que ça plate. Puis on parlait justement d'humour il y a quelques minutes avant de te recevoir, puis on disait, Colin, on est quand même rendu frileux. Ça, c'est un discours qu'on a entendu à maintes reprises. Ouais. Là. Mais je pense que le public en veut aussi de l'humour spicy. Ah, ouais. Puis on est en train de leur enlever. Ah oui, du monde noir, tu sais, le monde aime tellement ça, puis à chaque fois que moi j'entends, tu sais, que le monde dit « Ah non, le monde aime plus ça », je suis comme « Eh bien, tu le diras au monde qui vient dans mes salles, parce que c'est plein à craquer, tu sais. » Je fais le centre Vidéotron cet été, ça va être plein. Tu sais, c'est pas vrai que le monde aime pas ça quand c'est crunchy, là. Ouais. D'ailleurs, parlons-en, tu pars en tournée avec Sous-Écoute. Tu l'as mentionné ici au Centre Vidéotron le 22 juillet à Québec, mais tu sais, un peu partout, puis même en Europe. T'as-tu hâte de prendre la route avec le podcast? Vraiment, vraiment. Puis surtout, le show à Québec, tu sais, l'année passée, j'avais fait le Centre Bell. Ouais. Puis mon frère était supposé venir voir ça. Mon frère, tu sais, moi, je suis un gars de Québec à la base, là. Mais tu sais, là, je suis rendu à Montréal. Mon frère est rendu à Calgary. Et mon frère, il a eu des problèmes de santé. Fait que, tout de suite, je m'étais dit, OK, l'année prochaine, on le refait, mais à Québec. Puis, j'ai tellement hâte de vivre ça avec, tu sais, c'est bien sûr, tu sais, il va y avoir 12 000 personnes, mais je suis juste excité que mon frère vive ce moment-là avec moi. Mon neveu, qui va être technicien de son plus tard dans la vie. Malade. Fait que là, on va l'installer à console. Lui, il va avoir l'impression de travailler pour Metallica. je sais pas si tes invités pour Québec sont choisis, mais moi, je travaille avec un vieux has-been de Musique Plus qui pourrait potentiellement être intéressé. Ah, mais j'aimerais ça avoir Reg, pas au Centre Vidéotron, là, mais pour vrai, Reg, ça serait cool. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit, à un moment donné, tu devrais faire un spécial Musique Plus, genre toi puis Babu. Anytime. Tu sais, hein? Tu sais, c'est n'importe quel. Tu sais que la réponse va être oui. Pour toi, anytime, Mike, pas besoin de cachet non plus. De l'autre bord, parce que moi, que je suis au Nouveau-Brunswick dans le temps de Musique Plus, maintenant que je suis à Québec, quand je te demande de jaser dans un de mes shows, tu dis tout le temps oui aussi. C'est sûr, c'est réciproque de mon bord, mon chum. Je dis tout le temps oui, vu que j'ai oublié de te bloquer dans mes contacts. Ah, yes, yes. Bon, ben, je vais attendre un petit peu avant de te redemander pour que tu oublies encore. Hey, Mike, ça a été un plaisir. Merci. Auditeurs, auditrices, soyez le 22 juillet au Centre Vidéotron pour la tournée Sous-Écoute, sinon ailleurs au Québec. C'est le seul show qui a été rodé au Centre Bell. C'est rodé au Centre Bell, puis là, je le présente au Centre Vidéotron. Si le monde veut des billets, j'ai acheté centrevidéoway.com. Aïe, je t'aime, mon chum. Yes, ben moi aussi, je t'aime. Puis j'ai hâte de te voir. Merci pour ça ce matin. Bon, ben, je m'en vais me coucher. All right, bye. Salut. Bonne nuit. Salut, Mike. Salut, merci.